Allez, c'est type 1. Alors, EDF Iron Rain. Donc, c'est grâce à vous, clairement, que je peux jouer à des EDF Iron Rain. C'était sur le Twitter où ils avaient demandé « Ouais, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui mériteraient EDF Iron Rain ?» Et vous avez débarqué sur leur Twitter, vous l'avez enculé, leur Twitter. Ils ont été forcés de nous filer une clé. Et du coup, voilà le stream qui en découle. À la base, je voulais faire une vidéo, mais un stream, c'est quand même sympa. Franchement, c'est quand même sympa. Il y aura du monde au concours Rocket League. Ouais, il y en a un petit peu déjà, bien sûr qu'il y en aura. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours Rocket League. Ça se passera le 14 mars. Les inscriptions sont ouvertes sur le Discord. Il y a un channel fait pour avec toutes les informations nécessaires. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, en attendant, on va aller voir EDF Iron Rain. I'm doing my part. Voilà. Bon, ma manette veut plus marcher pour le jeu. Bah, en fait, quand je fais... T'entends que... Il faut que j'appuie plusieurs fois, en fait. Tu vois le ratio? Est-ce que tu vois le ratio de touche et de ratage de RB? C'est chiant, hein? Bon, c'est pas grave. Allez, c'est-y pas. Oh, ça commence directement sur du... Oh, ça va être sympa. Oh, je le sens, ça va être sympa. Ah, on commence vraiment directement dans le jus, en fait. Dites-moi si c'est trop fort au niveau du son. Hein. Pour moi, ça va, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Roger that. Roger that. Look at its size. Yeah, merci. Is that their... the aggressor's mothership? Mais attends, on est déjà à la fin, là? Qu'est-ce que c'est de délire, là? Eh, franchement, le game design japonais, c'est quand même quelque chose, mec. Hein. C'est pas la tête qui compte, d'abord. Oh putain, non, ça c'est les parties d'avant, ça. En fait, ils défoncent le vaisseau mère, les agresseurs, donc c'est les aliens, hein. C'est eux qui se démerdent pour faire des gros robots et des gros... Oh là 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 là. Ça va niveau son? Ça gueule pas trop? Ça commence à gueuler un peu, en fait. Oui. Oh là là. Oh, ok. On se sent dedans, ok. Oh là là, d'accord, ok. Ils sont où les... Oh, c'est encore plus flippant, par contre. Attends. On est bon niveau son ou faut que je baisse un petit peu? Attends. Non, ça devrait être bon. Un nouvel ennemi arrive et on s'allie aux aliens pour démonter, t'imagines? Ça, ce serait cool. Mais on n'a pas le gros bonheur, mec. C'est comment on a des armes? Oh, lance-roquette, oh yes. Est-ce qu'on peut toujours éclater des bâtiments? Oh putain! On peut encore même les éclater mieux qu'avant, c'est encore un peu fort. Eh ben écoute, je vais baisser le volume général, regarde, on va le baisser de comme ça, ça devrait être impeccable. Voilà. To save a mother from any alien attack. From vision giant insect who once again come back. We'll unleash all our forces, we won't cut them any slack. The EDF deploys. Ça, pour l'instant, c'est tranquille. Donc ouais, du coup, ils ont pris une approche bien plus réaliste pour ce jeu-là. Bien plus... Ouais, je sais pas si encore réaliste, c'est trop le truc. Bien plus terre-à-terre, j'ai l'impression, en tout cas. Voilà, ça devrait être mieux, là. Putain, mais attends, je baisse le son tout le temps et il se baisse pas. C'est quoi le délire, là? Ah, putain, mais qu'est-ce que c'est, ce délire? Je dirais pas vraiment réaliste, mais un autre design, c'est juste un autre design. Alors j'espère quand même qu'il y a toujours les fencers de 4.1, que je puisse glitcher comme un connard. C'est quoi les trucs au sol? Il y a des trucs au sol, là, c'est quoi le délire? Oh, j'ai dit dash, ok, le dash c'est comme ça, très bien. Pourquoi je peux plus bouger ma caméra? C'est quoi le problème? Ah merde, je suis en train d'appuyer sur les touches. Ok, c'est bon. Non, c'est moi. Quand je vous ai dit que mon clavier était trop sensible, en fait, j'étais en train d'appuyer sur les touches de mon clavier.
Donc les cristaux, c'est le loot maintenant. D'accord, très bien. Est-ce que je peux prendre ça? Je veux ça, moi. Je peux? Je peux pas? Ok. Par contre, il y a... Ouh, putain, le robot de ouf! C'est quoi le robot de ouf? C'est un méchant? Oh, oui, c'est un méchant, ça. Oh la vache. C'est intense, hein. Oh la vache, mais mec, ça part dans tous les sens. Ça chie, ça change un petit peu de super liminal, hein. Je suis désolé, c'est pas tout à fait la même ambiance. Voilà. Impact imminent, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Attends, j'y vais, mon gars. Je vais leur montrer qui c'est le patron. Oh putain, oh comment je glisse. Je connais pas le jeu, c'est quoi l'histoire? Il y a une grosse race d'aliens qui vient nous foutre sur nos mers et on est une force de défense terrestre. Voilà, t'as toute l'histoire. C'est tout. Franchement, on voit à peine la différence. Non mais c'est juste une affaire de d'angle de vue et de perspective, mec, hein, c'est tout, hein. Oh la vache. Oh bah non, t'es sûr, même pas un, là. Sous un caillou, un mec qui a eu un peu de bol, non? Un mec qui s'est protégé avec son bras, comme ça. Je suis sûr que c'est tranquille. C'était fait sur Unity. Regarde, tu vois, il va bien. Je vois Anakin sur Teko. Ah ouais, il a transformé la Terre en Mustapha, en fait. Mustafar, je veux dire. Mustapha. Transformé la Terre en Karim. C'est un petit peu comme le début de Titanfall 2, en fait. Mustapha, ouais, non, c'est pas le même. C'est le même scénar que Gears of War. Bah écoute, c'est le même délire en même temps. Hein. T'as juste une race de super aliens qui arrive. Ils sont arrivés en 2017 avec... Oh putain, avec Earth Defense Force 2017 du coup. Et ensuite Insect Armageddon, et ensuite 4.1, et ensuite DF5, et ensuite celui-là, voilà. Un soldat Quake? C'est quoi un soldat Quake? Attends, ça m'intéresse, c'est quoi un soldat Quake? Energy Core. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je suis censé foutre? Je suis aussi paumé que vous, les mecs, je vous promets. Ah, c'est moi le soldat Quake. C'est un soldat de base, en fait, c'est ça, ouais. Overdrive. C'est quoi l'overdrive? Ah, mais attends, j'ai un mode de rage spartiate. Attends. C'est quoi le délire? Oh, c'est quoi ce délire, mec? J'ai littéralement un mode de rage spartiate. Je suis en train de me faire péter la gueule. Tiens, enculé, va. Fuis-moi une mitrailleuse. Vite. Oh, putain, mec, c'est quoi? Alors ça, j'avoue que s'il y avait bien un aspect de gameplay que j'aurais pas vu dans l'EDF, c'est la rage spartiate, vraiment. Le bitrate va se chier dessus, poteau. Salut, pocho. Oh, doudraio. Cassez-vous, les cons! C'est ma planète! Welcome to America, motherfuckers! Fuck you! Ok. J'ai rien vu encore? Eh ben écoute, si j'ai rien vu. Oh, on est les champions! Ok. Et c'est bon ce que je fais ou je sais pas si. Si, j'ai l'impression qu'il prend les dégâts quand même, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il prend les dégâts. Attends, ils arrivent. Overdrive! Oh bah drive. Cassez-vous, vous voyez pas que vous me faites chier là? Ah, qu'est-ce que j'aime pas les insectes. Oui, c'est bon, c'est les insectes, les fourmis. Je suis pas en train de... Non mais c'est les araignées, c'est pas les insectes, c'est des arachnides en fait. Donc si jamais t'as envie de vanner, au moins apprends un peu tes cours de quatrième quoi, putain. C'est les insectes parce que c'est de la merde, c'est tout. Ouais, je continue à tirer. T'as des noyaux d'énergie. Utiliser le noyau réactivera l'overdrive. Ah, d'accord, ok. Très bien. C'est bon? J'ai détruit... Oh la vache. Ouais non, vous avez rien foutu, c'est moi qui ai tout fait. Oh. J'ai pas vu s'il y avait un coup au corps à corps par contre, ça m'intéresse. Mec, tu paries que c'est un délire à la Doomslayer. In the dawn of the first age, in the first battle, when the shadows first lengthen,
Sauveur de l'humanité, normal. Ah, les cons. Les cons. C'était un Hamon Overdrive que t'avais. Ouais, exactement, c'était ça, ouais. Ok, c'est temps, ok, j'aime d'énergie, ouais, dégâts encaissés, score technique, je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais je pense que ça sera plus clair après. Normal. 7 ans plus tard, oh la vache, d'accord, on est vraiment dans un délire à la Mad Max. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, les dégâts qu'on voit sur le monde et tout, dans les autres DF, il y avait pas vraiment ça, il y avait pas vraiment de lore au-delà de juste oh, l'équipe Alpha s'est fait éclater, on va éclater de l'alien, c'est tout, tu vois. Je suis Reynald Campbell, commandant en chef de l'armée de l'EDF. Pour être honnête, je m'attendais pas à vous voir rouvrir les yeux. Vous avez détruit le Hivecraft et son explosion vous avez fait perdre connaissance. Vous avez passé les 7 dernières années dans le coma, mais on dirait que vous vous entendez sain et sauf. Ah oui, bah c'est bon, tout va bien alors, il y a pas de problème. Et désormais, l'heure de vous rendre sur un nouveau champ de bataille. Je me suis levé il y a 15 minutes. Après 7 ans dans le coma, est-ce qu'on peut vraiment C'est vraiment le soldat qui a encore envie. Ouais, non mais ils s'en foutent, le scénario il t'encule hein. Je vous affecte une unité mobile placée directement sous mes ordres, l'unité Blast. Avant d'affronter les agresseurs, assurez-vous de disposer des armes et l'équipement nécessaire, je compte sur vous. Ok, on compte sur vous. Caractéristiques physiques. Ok, voix. Thank you. I appreciate it. My bad. Oh. Voilà, un vrai guerrier. Allez, file-moi un bonhomme là. Sexe énorme. Visage et cheveux. D'accord, il y a masse de custo. Oh, quelle belle coiffure. Il y a de la barbe. Est-ce qu'il y a de la beubare? Oh la vache, par contre, ils ont tous un petit peu de... Tu les vois quand même, genre dans ces visages-là, c'est assez évident quand même que c'est un jeu japonais. File-moi le vieux là. Lui, non, attends. Lui, il est bien, lui, il est vénère, lui là. Peau. Foulez-moi un petit peu plus bronzé là, voilà. Les yeux, des bons gros yeux noirs, voilà. Pilosité, barbe. Alors, je veux bien que vous soyez japonais les mecs, mais au niveau barbe, on est, c'est pas ça, hein. C'est pas encore ça. C'est pas de la barbe ça. C'est pas de la barbe. Attends, tu sais quoi? Regarde. Vu qu'on peut pas avoir de barbe, eh ben on va jouer une femme. Oh putain, j'ai eu peur. Voix 3. I'm a woman. Deal with it. I appreciate it. Ah bah là voilà, c'est un peu les voix animées, ça c'est parfait. Et c'est où? Attends, faudrait que je vire les vêtements pour voir un petit peu le physique, tu vois. Attends, ôter. Voilà. Ôter. Je peux pas ôter ça? Je peux pas voir un petit peu la carrure qui est là en dessous là? Voilà, carrion, ouais. Il a la même barbe que moi, le mec. Et bah. Ouais. Vas-y, file-moi ça. Accessoire facial. Ah, la gueule. Ah, pourquoi t'es comme ça? Ah, je suis désolé. Attends, comment on. Je peux vraiment pas virer ça. Tu vas voir, caractéristiques physiques. Est-ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a des corps différents? Mais elles sont toutes pareilles. Oh non, elles sont pas du tout pareilles. Oh la vache. Mec, des caractéristiques de corps, c'est que les chamblards, regarde. Les cons. Vas-y, file-moi la bonne voix bien grave, là, on va faire une Monique-like. Maximum chamblax. Tête, ok, file-moi un truc... Ça, c'est Starship Troopers de malade, par contre. On est d'accord. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu de camo variation? Que ce soit un peu joli. Qu'est-ce qu'on a? Non, on va pas mettre d'accessoires facial. C'est tout ce qu'on a? C'est tout ce qu'on a pour l'instant? Il y a des trucs. J'imagine qu'il y a des trucs à débloquer après, quoi. En fait, on va débloquer au fur et à mesure. Attends, parce que je suis désolé, mais c'est super important quand même. File-moi du olive drab. Voilà, impeccable. T'en débloques après, d'accord, c'est bien ça. Très bien, très bien, très bien. Alors, type de cheveux. Il nous faudrait une bonne coupe à la Monique, tu vois. Putain, y a pas de... Bah, c'est ça au pire, quoi. Ouais, ça va être ça, hein. Yes, écoute, on a la couleur pour. Allez, oh... Oh, oh putain. Oh, la vache. Eh ben, ils ont des... C'est bon, ils ont vraiment modélisé Monique, hein, sur certains. Oh, putain, l'épave. Celle-là, elle est bien, je trouve. Celle-là, elle fait vraiment... Elle a aucun humour, quoi. Monique, elle est assez pâle. Tiens, le côté un petit peu coupe rose, là, comme la meuf qui se finit tous les soirs avec du rhum. C'est pas mal, ça.
C'est pas le bon format, non, Eric Zemmour. Comment ça, c'est pas le bon format? Bien sûr que si. Elle a... Ouf. Eh ben écoute, on va faire Cybermonique, hein, qu'est-ce que tu veux. Je peux pas... Du coup, attends, faut clairement que je lui vire, par contre, son casque. Elle a pas besoin de casque, Monique. Voilà, impeccable. Et le torse, du coup, est-ce qu'on prend un truc un peu plus... Eh ben écoute, on va foutre Cybermonique dans le gaz. Voilà. Impeccable. Par contre, elle a forcément cette position-là, là. C'est pas Monique, cette position-là, hein. J'espère qu'on est d'accord. Oh, mais elle la met à la Kembig. on est bon, du coup. On peut pas changer sa position. Ah non, gros Chomblex. Maximum Chomblex. Allez, c'est type 1. Équipement. Ok. PA Gear. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc ça, c'est là. Oh, c'est cool. D'accord, donc PA Gear, c'est un petit peu ta classe, j'ai l'impression. Emblème, putain, il y a plein de trucs. Vas-y, il y a quoi comme délire un peu stylé là. Attends, vas-y, faut affronce. Et où affronce? Yeah. Affronce. Comme ça, mon gars, ça c'est les troupes françaises, les space troupes françaises. En jet, voilà, on va prendre un jet lifter pour l'instant. Ensuite, on verra ce qu'on débloque. Je pense qu'on doit débloquer des classes après. Et on prendra une classe plus lourde avec un bouclier et tout, tu vois. Enfin, le bon cybermonique, tu vois. Main sur le cœur, les gens. Alors, arme 1. Shut the fuck up. Ok, shotgun, ça on peut pas. On peut pas les acheter encore, c'est ça? Ah, si, maintenant il faut. D'accord, il faut payer avec des unités de mon cul. Eh bah tu sais quoi, on va rien payer pour l'instant, on a le lance-roquette, on a la mitrailleuse. On verra plus tard, d'accord. Grenade. Objet déjà équipé, c'est ça cette grenade. Ok, d'accord. Et regain rapide, très bien. Entraînement, pouf. En l'autre. Il y est pas sur console, si, il est sorti sur PS4 aussi, me semble, non? Il me semble. Pourquoi il y a toujours un mode qui s'appelle Sam? Je sais pas. Mais écoute, faut pas oublier qu'ils sont japonais les mecs, hein, donc ils font ce qu'ils peuvent. Non mais c'est bon, ça c'est bon. Bah écoute, on va tester comme ça. Elle est terrifiante. Attends, on va lui mettre des yeux quand même. Parce que je sais pas, les yeux vides comme ça, c'est un peu plus éclaté. Oh la vache, ça c'est une vraie cybermonique ça. Voilà, cybermonique, c'est hyper. Allez, testons. Je sais pas s'il est sur console. Enfin, je crois que c'est celui-là qui était à un moment une exclue console. Un putain de claptrap. Ah bah si, t'as vu le mec. Mais attends, on a éclaté leur mothership. Comment ça se fait qu'ils sont encore là, ces enculés là? C'est quoi cette... C'était quoi? Qu'est-ce qu'il écoutait lui? Takuma. Target acquired. Cyber Monique engaged. Tout. Oh mec, c'est super stylé par contre. Ça a de la gueule ce truc là. Du coup, je peux voler tranquille? Comment on fait pour voler tranquille? Ok, et bah écoute. Et il y a mon énergie en bas à droite. Et bah très bien. Écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc je vous rappelle comment ça marche EDF. On a des munitions illimitées surtout. Et on est plus ou moins des meurtriers de masse. Voilà. Ah putain, il y a du rechargement actif par contre. Oh, ça va me saouler ça. Je supporte pas le rechargement actif. Je le loupe à chaque fois. J'ai pas suivi. Ah non, le bleu c'est les potes. Ok, j'ai aussi du dash là-dessus. Oh mec, c'est super. Ça c'est pas mal par contre, j'aime bien. Ah merde, je suis en surchauffe. Ouh, la vache, j'en ai pris plein la gueule. On veut de l'aïe. Oh la vache. Oh bah, de l'aïe. Elle est bien comme ça, Monique. Je trouve qu'elle est vachement dans son élément en fait. Oh bah, de l'aïe. Allez, tu vas même plus vite en fait avec l'overdrive. Ok, c'est à noter ça. Ce move d'animé, ah ouais, de ouf. Je pensais qu'en fait il allait être plus Starship Troopers et tout, mais en fait il est encore plus animé qu'avant, j'ai l'impression. Attends, on va retirer le bâtiment qu'il y a là.
Voilà, regarde. Et tranquille, ça, ça fait de la place. Merci qui ? Merci Molly. Money Grill Estate. Et là, du coup, je suis tout seul parce que voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le jeu. Mais donc, le jeu est bien sûr en coop. Donc, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas de quoi il parle l'autre, mais il parle, il y a pas de sous-titres. Donc, en fait, je m'en bats les couilles. Ok, allez, venez les enculés là. Oh, ça commence dans le fond là. Et j'ai pas de corps à corps du coup. Merde, je me suis foutu de la vie sans faire exprès. Ah, je peux viser un peu plus précisément, pourquoi faire? Je comprends pas. Vraiment, EDF, c'est un petit peu l'incarnation de la règle que je vous dis tout le temps. Ce qui compte, c'est le nombre de munitions. Vraiment. T'as des munitions illimitées, mais ce qui compte, c'est vraiment ce que t'as dans le chargeur et à quel point tu peux vaporiser toutes tes munitions dans tous les sens. Voilà, viser, c'est bizarre viser dans EDF, non? Je sais pas, ça me paraît étrange, moi. Voilà, impeccable. Les animations sont toujours un peu niquées, mais c'est pas... En fait, le truc, c'est que... Heureusement qu'ils font pas vraiment d'EDF super réaliste. Enfin, ça pourrait être intéressant. Mais ce qui compte vraiment dans EDF, je trouve, c'est le junk du jeu. C'est des jeux qui se jouent pas forcément super... de façon très très fluide. Il y a des trucs qui sont super frustrants dans beaucoup d'aspects. Et je pense que ça joue beaucoup sur le charme, en fait, du jeu. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai pas de corps à corps. Attends, j'ai vraiment pas de corps à corps, fais voir. Manette. Type de commande, action, sauter, recharger, changer d'arme, attaquer, utiliser sprint, changer d'objet, changer de vue, au bas de l'Ivo. Ouais, y a pas de corps à corps. Hein. Je vous laisse les copains, bisous. Bisous Hades, merci d'être passé, poteau, c'était super sympa. J'espère que je t'ai bien reboot ton cerveau avec Super Liminal et qu'on a bien pu en discuter. Aggressor Extermination Mission, putain. En fait, ils sont toujours marrants dans EDF parce qu'ils te font des grosses narrations. Enfin, des grosses narrations, non, c'est pas vrai. Mais ils te font de la narration pendant que t'es en train d'éclater de l'insecte par paquet de 500. Et ils s'attendent à ce que tu les lises. C'est un petit peu comme dans Ace Combat, ça m'a vachement surpris en fait. T'as beaucoup de narration, beaucoup de dialogue entre les soldats, tu vois, et les mecs de l'équipe. Mais c'est toujours en pleine mission, pendant que t'es en putain de dogfight à max 7. Tu te manges 60G, et les mecs, faut qu'on aille manger des pizzas, nanani, oui, Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà? Non, pas déjà quand même. Non, pas déjà. Ah bah si. Ah bah si, déjà. Ah non, c'est un robot, ok, c'est pas un kaiju. Oh la vache, ils sont super stylés par contre. What the fuck? On va l'enculer, t'inquiète pas. Feu nourri à volonté, intense, pour toujours. Oh, ce voice acting éclaté! With my bazooka? Shit! Oh merde. Oh putain, comment je consomme par contre? With my bazooka? Eradicator Simulator 2531. Charge complete. Je peux sauter par contre? Non, mets-moi. Allô, voilà. Encore ma touche RB hein, qui galère un peu. C'est dommage parce que c'est la seule manette officielle que j'ai de One. Et j'aime beaucoup cette manette. Mais du coup, la touche RB déconne. Blip. Bah voilà. With my bazooka! Ah, et maintenant ils te mettent un timer pour la fin de la mission. D'accord, ok. Parce qu'avant, en gros, il fallait te baser un petit peu sur la narration pour savoir quand est-ce que la mission allait terminer et si t'avais le temps de récupérer les paquets sur la map. Mais maintenant, ils ont mis un vrai timer. Bon, d'accord. Pardon ? Attends, il y a une zone de combat maintenant ? Je crois pas, non. Je crois pas. C'est soit un mur invisible, soit rien du tout, mec. Hein. Super Monique est encore plus chic avec sa nouvelle formule. Super Monique. Le temps de sentir l'odeur Super Monique. Les insectes sont déjà quick. Dipo sur PC et PS4 uniquement. D'accord, ok, ouais. On dirait une map de Fallout. Oui, bon, la map, elle est pas non plus tout à fait éclatée. T'as vu Larry Marsen? T'es fier ou pas? Je me suis pas pris un coca, moi. Putain, quel con, j'ai soif.
Ah ouais, donc c'est vraiment, c'est très japonais en fait. J'ai l'impression de finir l'émission et d'avoir un petit peu ton, comment, un média qui commente sur ce que tu viens de faire. Alors lance missile, grenade, autocollant, chasseur de fourmis, arme spéciale PL Blue Rose, d'accord. Et bah j'ai de nouveaux trucs du coup, fais voir. Arme, j'écoute plus hein. J'espère par contre qu'ils vont pas trop parler comme ça tout le temps. Ouais, si, je pense qu'ils vont pas arrêter d'ouvrir leur gueule. Wouldn't be the first time, what the fuck is wrong with my voice actor? Are you fucking drunk, you goddamn asshole? What the fuck? Allez, file-moi le fusil de chasse là, c'est bon là. On arrête de déconner là. Est-ce que je peux le customiser? Non? Fusil à pompe officiellement adopté en 2033, ouais, donc il y a pas mal de trucs. C'est marrant, il me semblait qu'il y avait de la customisation de... Non ? Eh ben peut-être pas, alors. Cool, non, ça je change pas, non, on va rester comme ça, c'est pas grave, hein. Donc allez, mission 2, c'est parti. Cheke brique ! A nous, cheke brique, donc ! Il y a pas de... Alors c'est quoi ? C'est si tu prends des... Si tu trouves des armes de meilleure qualité, du coup, il y a plus d'équipement dessus ? Oh la vache ! Blade Runner 2049. Littéralement par contre, hein. Littéralement, Blade Runner 2049. Vous avez aimé Blade Runner 2049 ou quoi? Regarde-la. Nope. Ah ouais, carrément, vous avez pas aimé? Je l'ai pas vu encore, parce que moi, il m'a vraiment foutu une claque et j'en ai pris plein la gueule. Ouh, il y a de la conduite. Fais voir, parce que la conduite était infâme sur les autres DF, mais maintenant, s'ils ont réglé ça, parce que moi, franchement, il m'a foutu une caquette du début jusqu'à la fin, et j'ai trouvé vraiment que c'était un putain de... Attends. C'est quoi? Putain, ça se conduit avec le stick. Oh là là, c'est super bizarre. Nip. D'accord, en fait, ça se conduit avec le stick comme si tu te déplaçais, en fait, à pied. Vous voulez monter? Montez, les mecs. Allez, montez, les gars. Allez, montez, les mecs. Allez, les mecs, montez. Allez, les mecs, montez. Monte. Bah oui, mais monte. Allez, monte, Michel. Mais tu veux pas? Mais putain, mais quelle bande de cons! Bah je m'en fous, j'y vais tout seul moi. Oh, putain, par contre les manœuvres elles sont super cheloues. Attends. Ouais, bon, la conduite elle est toujours aussi éclatée. Regarde ça! C'est pas un burn, hein? C'est clairement pas un burn. C'est éclaté, mec. Ok, voyons voir. Allez, on va visiter. Les maps sont assez dingues, n'empêche, mine de rien. Donc lui il est dormant, c'est ça? Ouais, mais ça m'intéresse pas, moi. Hop là! Eh, connard! Merde, j'ai pris un fusil d'assaut et un fusil à pompe. Je me suis foiré. Ça va? Qu'est-ce que... Eh, tu touches pas à ma Toyota, enculé, hein? Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement con? Oh là là, il est éclaté, le bonhomme! Ma bagnole. C'est bon? Tu me laisses tranquille? Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, y'en a un autre là-bas! Comment il s'est réveillé lui? Il était dormant lui aussi, il me semblait. Bravo, connard! Pile dessus! Oula, merde! Mais qu'est-ce que tu fais avec ton lance-missile? Il est con, lui, c'est pas possible! Voilà. Elle me rapprochait un petit peu et je vais tenter le fusil à pompe, là. On va recharger ça. Ouais, fusil à pompe. Ah bah, c'est pas mal, regarde! Oh, y en a une, elle est en train de se faire enculer, là. Voilà, impeccable. Y'a Dark Sasuke qui s'excite. Ça va, Max Milden? T'as passé une bonne semaine, tu passes une bonne soirée. T'as oublié, t'as un petit peu skip le stream extrêmement thérapeutique qu'on a fait juste avant. Mais sinon ça va. C'est
c'est bien bien cool. Par contre, les déplacements sont vachement sympas. C'est beaucoup moins lourd que ce à quoi je m'attendais en fait. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus rigide. Du coup, vu qu'ils ont pris une direction bien plus réaliste avec le jeu. Mais en vrai, c'est sympa. Allez, connard, réveille-toi. Wake up, samurai. We got a city to fuck. Oh, bah, y'ont. Oh, par contre, ça a réveillé tous les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Veillez à ne pas vous faire enculer? Non. Non, c'est un autre mot. Oh, mais arrête de raconter ta vie, putain, Stéphane Bern. C'est en 2028. Tu vois pas que j'ai pas le temps à encercler, merde. Dommage. Mais t'inquiète pas, je suis là pour... On m'a payé pour éliminer, et pas pour faire des prisonniers. Ça reste en grosso modo la même chose, oui, en fait, oui, plus ou moins. Oh, le spread du bordel. Voilà, impeccable. Oh, ils sont pas finalement si flippants que ça, hein, les Scourgers, mon cul, là. Hein. Je devais rentrer à 20h, mais j'ai des potes qui avaient besoin d'un mec pour noter les points sur un match de volley, donc je viens de rentrer. C'est super spécifique, Maximilian, mais en même temps, je suis très content que tu me l'aies dit. Quelque part, ça prouve que tu me fais confiance. Oh la vache! Cette manœuvre d'évitement, pas du tout fait exprès, je vais vous admettre. File-moi mes grenades, voilà. Voyons voir un petit peu les grenades. Est-ce qu'on voit un arc? Oui! Oh, il y a un arc qui est pas mal en plus. Regardez, c'est con. Hop! On va spammer un petit peu, hein. Hop! Hop! Vas-y, tire-moi ton laser dessus, je m'en bats les couilles. Rétablissement rapide! Je me suis rétabli rapidement! C'était super chelou! Regarde le spread. Mais c'est bon, il va me louper, lui. Voilà. Volet masculin ou féminin, c'est vrai que c'est important, ça. Nique ta mère. Pourquoi t'es en feu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu une seule mission où on s'est laté contre des fourmis. Ils nous ont foutu directement les robots sur la gueule. Alors, je sais pas du tout où ils vont aller à partir de ça. Mais ça a intérêt à être grandiloquent parce que c'est assez impressionnant quand même. Oh putain, je suis en train de me faire péter la gueule maintenant que j'y pense. Je peux récupérer de la vie avec ça ou pas? Oui. Très bien. Tu peux claquer. Oh la vache, il m'a mis très cher. Il m'a chef mami, mon gars. Est-ce que vous pouvez vous en occuper pendant que moi je fuis, s'il vous plaît? Remarque, j'ai mon Oba Drive-O. Ah, et du coup, je peux voler à l'infini. Et c'est vénère un peu le Oba Drive. Ouais, j'ai pris une clacotte un peu là, j'avoue. J'avoue, franchement, je l'ai peut-être un peu mérité aussi. Eh ouais, c'est con, hein. Niveau manœuvre, t'es pas top, poto, hein. Allez, casse-toi. Et bah voilà. Masculin, malheureusement. Oh. T'as pas pu voir de petits shorts. Bah si, remarque, t'as pu voir des petits shorts, mais masculin, quoi, c'est ça le truc. Et bah voilà, regarde. On va récupérer les trucs. Et du coup, ils ont bien compris que ce que voulaient les gens, c'était principalement de la mobilité. Et je pense que si jamais il y a une classe de fencer dans le jeu, il y aura quand même de la mobilité de ouf. Tout le monde jouait fencer dans 4 points et dans 5. Parce que justement, c'était bizarrement les classes les plus mobiles. Philippe. Non, pas Philippe. Philippe. Quoi? Mais quoi, collecter les gemmes? C'est bon, tu vas les prendre tes gemmes, je t'emmerde. Elles sont où? Il en reste? Bah... Je crois pas. Moi j'aime bien le ranger dans 4 points. Attends, le ranger c'est... Oh merde, B. Dommage, c'est pas grave. C'est celui qui... Non, c'est pas celui qui fait les airstrikes, ça. Non, c'est pas ça. Comment... C'est qui le ranger? C'est le... Soldat de base? Oui, c'est ça, c'est le soldat de base en fait. T'aimes bien le soldat de base, toi? Je crois que j'ai pas fait une seule mission avec le soldat de base, mec. Ok, alors rebooter 3, rebooter hacké 3, autocollant, et j'ai un nouveau fusil d'assaut, le AW Outrage. Oh putain, c'est quoi? Attends, du coup, arme numéro 1, on va foutre le Outrage. Il est mieux, il est bien mieux, il est carrément mieux, ouais. On va le prendre. Et du coup, en arme deuxième, par contre, on va prendre un lance-roquette. Parce que je peux pas encore choper le lance-missile, mais on va prendre le lance-roquette, voilà, comme ça on est tranquille. Les objets, on a toujours les mêmes, je crois, non? À moins que je peux prendre... Ah non, FL16 maintenant. Pourquoi je me fais chier? Par contre, les armes viennent encore plus vite que d'habitude, je comprends pas le délire là. Appareil de résurrection. Rebooter. Pourquoi pas? Voilà.
suis revenu en retard, super liminal, c'était top tier ou compliqué? Ouais, c'était les deux, mec, hein. C'était les deux, c'était génial, par contre. C'était vraiment super. J'ai vraiment bien kiffé, c'était vraiment cool. Et du coup, je suis toujours bloqué que en Trooper ou en Jet Leader. Tu sais quoi, on va prendre un peu Trooper, pour changer. J'ai toujours les bons... Non, faut que je remette le Outrage. Et que je remette... Arme spéciale DLC. Quoi? What the fuck? What the fuck? Oh, un sniper! Lance-roquette, lance-missile. Un sniper. Qu'est-ce que c'est Patakwek? Fais voir le sniper, fusil de précision, là. File-moi ça. Et arme spéciale, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est trop long, ça me casse les couilles. Tu as déjà fini ou t'as coupé pour laisser du rap? Ouais, on l'a éclaté en un stream, Spider. Hein. Du coup, il était très court. 2h30 à peu près. 3h si on tire un petit peu. Je vois plusieurs types de crédits, ça me fait peur. Bah oui, en haut là, c'est un petit peu. C'est pas tout est pas clair, quoi. Lance-missile, par exemple, il faut des crédits rouges là, et j'ai aucune idée comment on en chope. Bon, on verra plus tard. Hein. On aura bien le temps de nous. D'avoir peur pour rien. Allez, c'est Tipa. C'est une expérience plus qu'autre chose. Ah bah c'était pas de façon de l'e-sport, hein, mais c'était génial par contre. C'était une super bonne découverte. Je suis super content d'avoir fait en stream, d'avoir éclaté en une seule fois. C'était vraiment un putain de jeu, ouais. C'est ce que tu as loot? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai loot, ouais. Ok, pas mal. Ok, et eh bah écoute. Non, ça m'intéresse pas. Je suis juste revenu pour éclater des robots. C'est tout ce que je veux savoir, mec. Laisse-moi tranquille. J'écoute pas. Là. Oh yeah. M'obligez pas à claquer un no-vol de l'arrivo maintenant. Putain, je suis en train de prendre cher à moitié. Dis donc, il est plus galère, celui-là, mine de rien. Tu prends cher beaucoup plus vite. Alors que dans 4.1 et dans 5, c'était vraiment pas déconnant de commencer directement en mode difficile. Déjà parce que tu chopais des armes de malade. Et ensuite parce que bah, le jeu, il est pas très compliqué en fait. Mais là, j'avoue que... Dis donc, c'est farci, hein. Le rouge, c'est avec des achats in-game. Arrête. Non. Il y a de la monnaie, non. Je vais claquer, en fait, là. Regarde rapide. Ta gueule, toi. Tu peux claquer? Ouais, merci. Non, oh, putain. Non, tu déconnes ou tu déconnes pas? C'est vraiment ça ou pas? Les gars, faut me dire tout de suite. Attention, moi je déconne plus, moi. Hein. Là, je déconne plus. Là, on rigole plus. Hein. Est-ce que c'est de la monnaie in-game? Est-ce qu'il y a un cash shop? Non, il n'y a pas d'achat in-game. D'accord, ok. Ah, putain. Eh, faut pas me faire des coups comme ça, les mecs. Vous savez que je suis fragile. Hop là. Oh putain, il y en a un autre. Oh la vache, la précision du truc, par contre. C'est pas mal. Il y a un connard derrière. La sensibilité surpasse ça. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je me demande s'ils vont avoir les mêmes problèmes de sensibilité que sur les autres classes. Parce qu'en gros, plus t'avais une arme lourde en fencer, plus ta visée était lente. Donc, si tu tournais au maximum avec ton joystick, ça faisait ça en fencer, en fait. Genre, tu tournais comme ça pour toutes les armes, enfin pour toutes les armes un peu lourdes. Et je me demande s'ils vont garder ce système-là dans ce jeu-là aussi. Oh putain, j'ai éclaté un arbre. J'espère qu'il y a des fencers en tout cas. S'il n'y a pas de fencers, je comprends pas. C'est la meilleure classe. Littéralement. Tu tires sur quoi, toi, abruti? Putain. Voilà, impeccable. J'ai encore mon... Oh, bateau là, bro. Ok. Pour l'instant, c'est super sympa. C'est vraiment pas éloigné de l'EDF classique. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus... Il y a plus d'enjeux sur ce que tu fais. Plus de répercussions, plus d'enjeux, et je dirais pas plus tactique quand même, faudrait pas déconner. Mais ouais, plus. Je sais pas. Plus fin en fait. Non, même pas, c'est même pas le mot qu'il faut. Raffiné, non plus. Je saurais pas dire. Mais c'est plus en tout cas. Oh là 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 là. Tout ce que je veux savoir, c'est que. C'est est-ce qu'il y a des fencers d'une, et est-ce qu'il y a des forteresses Balam de deux. Oh la vache. Merde. Oh merde, cassez-vous. Oh, c'est quoi? Oh, dégueu. Oh, dégueu, les bêtes. Oh la vache. C'est des grosses blattes. C'est scarabée bombardier.
Il y a des lourds mais différents defenseurs, d'accord. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils sont super stylés. Je crois avoir vu des screens, mais je m'en souviens pas. Grenade, 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 grenade. Et pas de balam. Putain. Ça sert à quoi de faire un EDF sans forteresse balam? Maintenant qu'ils nous ont montré des balams dans EDF 4.1 et dans EDF 5. Enfin, au moins dans 5. Si, dans 4.1, il y en a aussi, je crois. Je me souviens même plus, tiens. Ok. Je pense que ce genre de jeu aussi, c'est un peu thérapeutique, mine de rien, où t'apprends à ne plus avoir peur des insectes, etc., des arachnides. Ça ne marche pas, mais au moins ils essayent, tu vois. Parce qu'il y a même en éclatant des araignées dans tous les sens, je te promets que ça change rien du tout. Voilà. Mais au moins ça essaye. Et je crois qu'il y a des jeux à moitié... Il y a des rail shooters où tu joues des... les connasses qui volent, là. Les Valkyries, comme ils les appellent. Et c'est un rail shooter à moitié animou... Putain, j'en ai pris plein la gueule. Ça a pas l'air top, mais ça a le mérite d'exister. 4.1 aussi, ouais, c'est bien ça, ouais. Les Wing Divers, c'est ça, ouais. Oui, les connasses qui volent. Bah, ils les appellent, ils les surnomment les Valkyries, en fait. Dans une des premières missions où justement elles apparaissent et qu'il faut les aider parce qu'elles se font enculer par les toiles d'araignée, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'il vient de lâcher... What? What? C'était quoi ce délire? Attends, il est où? Il va me cramer. Ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Ah, ils sont... Oh, la vache. Oh, les animations qui sont éclatées de loin, ça me fait rire. Vous le voyez peut-être pas? Oh, mec, le jeu, y'a rien qui va. C'est super. Je suis fan, mec. Ah. Non. Attends, vous allez m'aider quand même. Mais vous allez m'aider quand même. Vous allez m'aider quand même. Je suis par terre et j'ai un rebooter sur moi. Vous allez m'aider quand même. Vous allez m'aider quand même. Mais mec, tu te fous de ma gueule. Gros loser. Non, c'est pas de ma faute, je suis désolé, c'est les autres qui sont cons. Les cafards qui ont pour seul moyen de défense de jeter un truc ultra brûlant par leur cul IRL, c'est impressionnant. Alors là... C'est quoi ça? Oh, dis donc, une berline. Ça, je me casse. Allez, démerdez-vous, les gars. Et non, c'est une SLS. Eh ben, venez me chercher, hein. Avec 180 bourrins sur le capot, je vous attends, les connards. Ah non, c'est une Cédric, en fait. Regarde. Hop, on va s'arrêter là. Et on va les attendre. Ouais, on va les attendre. Comme ça, on n'a aucune chance de pas réussir. Oh putain, j'arrose de loin, en fait. Voilà. Lance-roquette est bien plus précis. Ruru en Merco. On appelle ça une diarrhée arsène. Mais non, c'est un système de défense avancé. Un petit peu comme les... tu sais, les lézards qui font comme le chiffre dans Casino Royale. Qui pissent du sang par leurs yeux, là. Et c'est leur seul moyen de défense. D'une, c'est éclaté. Et de deux, c'est un super moyen de défense parce que c'est putain de métal, en fait. C'est trop métal, poteau. J'adore Nightwish. Par contre, je sens que les robots là, ils vont être exactement aussi chiants que dans EDF 4.1 et EDF 5. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être assez manageable et il y en a d'autres qui vont te casser les couilles. Ah, vous savez ce que c'est ce bruit là? Ça veut dire que c'est 5 minutes avant l'anniversaire de Pouze. On se prépare. On prépare nos plus beaux vœux. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression que tu perds quand même vachement plus de vie, hein. Et il y a beaucoup moins de cristaux et de bordel comme ça qui sont sur la map. Donc ouais, faut faire un peu plus attention, quoi. Mais c'est pas désagréable, en fait. Mais je pense que pour le coup, ouais, c'est bien plus sympathique. Encore, l'autre EDF, ça me dérangeait pas trop d'y jouer en solo, tu vois. Y avait pas trop de problèmes, je m'amusais plutôt bien. Mais là, je pense qu'en coop, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fun. Je sais pas trop qu'en penser le style graphique, on dirait EDF en plus réaliste, mais un peu trop western, limite crackdown. Ouais, mais ça me dérange pas, moi j'aime bien. Y a plus d'effets visuels, et je me dis que s'ils les ignent pas trop
sur le côté impressionnant qu'il y avait dans les autres, on peut arriver à un genre de compromis entre super impressionnant et un peu réaliste. Donc quelque part, j'aime bien l'idée en fait. Faudra juste voir ce qu'ils offrent après, mais j'aime bien l'idée. Je tiens à préciser que cette veille de 22 février, c'est aussi anniversaire d'Arsène, qu'on oublie trop souvent, on t'aime quand même, t'inquiète pas. Alors déjà, non. Et ensuite, non. Donc non. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu voles plus? Parce que je suis plus dans le même loadout. J'ai pris un trooper maintenant. Comme la chanson d'Iron Maiden. Je peux continuer comme ça pendant toute la chanson. Le problème de celui-là, c'est qu'en multi, il te retire tous les sacs de viande. Les autres soldats. Oui, bah oui, t'es que avec tes potes, ouais, forcément. En même temps, là, ils servent à rien, les gars. Hein, donc, quelque part, s'ils me les enlèvent. Franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Chirac. Allez, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. C'est encore des forteresses? Ouais. Il est retourné ou il est con? Non, il était con. Oh putain, ça commence à repop, ça commence à repop. Va falloir que je me replace. Ils m'envoient des trucs sur la gueule. Ouais, enfin remarque, je viens de bousculer une bagnole en foutant un coup d'épaule, donc à mon avis c'est pas un petit tramway, enfin un petit... si, tramway? Trolley? Je sais pas comment on dit. Quel homme ce Chirac. Oh, ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. Tu vois, eux ils sont chiants. Encore ça va là, parce qu'on a pas trop de ragdoll. Mais dans ceux d'avant, dans les jeux d'avant, il y avait ces robots-là qui arrivaient, enfin l'équivalent de ces robots-là, qui arrivaient et qui t'envoyaient des genres de boules de plasma à la gueule et ça te balançait en ragdoll pendant environ 20 secondes à chaque fois. C'était insupportable, t'en prenais plein la gueule. Et encore les boules, ça allait, c'était pas le plus chiant, c'était les mitrailleuses les plus chiantes. Putain, oh, les câbles que j'ai pété quoi. Parce que oui, c'est possible de rager sur EDF. Hein. Quelque part, c'est possible de rager sur tout, mais surtout sur EDF, ouais. Voilà, brûlez-moi ça, sera tranquille. Putain, tu vois, c'est ça qui est chiant avec le rechargement actif. Tu le loupes, et bah t'es niqué, voilà, c'est tout. Et moi, je trouve pas ça intéressant, ni intelligent, ni sympathique. Ça m'a toujours saoulé. Dans tous les jeux, hein, ça m'a toujours saoulé. Oh, bah, drive. Oh putain, comment il hurle. Ok, on va brûler ça facilement. Je pense qu'il faut pas hésiter à en abuser, en fait, de l'Oba Drive. Allez, putain la vache, les sacs à PV, les enculés. Ok. Il y en a d'autres. Oh, il y en a d'autres. Le bitrate, il doit être en train de se chier dessus, je suis désolé. J'ai pas le choix. Bonjour Poons. Eh, c'est pas encore ton anniversaire, il est 59. Hein. La meuf qui arrive vraiment, vraiment à son anniversaire, quoi. Oh là là là. Il est 59, attention, c'est dans quelques secondes. Déjà, je... Allez, casse-toi, toi. Voilà, impeccable. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi ce bordel? Oh là. C'est bien qu'ils aient gardé la démolition des bâtiments complètement éclatée comme ça. Qu'ils ont pas tenté de la relativiser et de la réalisticiser, on va dire. Et bah voilà, regarde, eh, ça s'est fait tranquille. Mais ouais, même dans les premières missions, et bah t'as quand même moyen de claquer, hein, ce qui est assez surprenant en fait. Et bah voilà, il est minuit. Et bah joyeux anniversaire Poul, joyeux anniversaire Arsène. Gros bisous. Hein? Tu sais quoi, je vais, vu que c'est son anniversaire, je vais allumer ma clope avec le cadeau qu'elle m'a offert pour son anniversaire. Ce qui est complètement éclaté d'ailleurs. Hop. Agréable. Joyeux anniversaire tout le monde. Voilà. J'ai bien fait de mettre un petit réveil. Enfin, en même temps, je pense que tout le chat me l'aurait rappelé en vérité. Hein. Ou double A, mon gars. Je suis sûr qu'on peut avoir rang S ou triple A. Ou un truc comme ça. J'espère. Hein. J'espère, sinon ça sert à rien. Ah, j'ai mal à l'oreille. Ah. Attends, quoi? Les courses de fourmis? De quoi? Tenue légère camomille? EDF léger? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Lance-roquette Naughty Boy. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, fais voir. J'ai une tenue légère. Oui, c'est... Oh, oh les bedankedanks. Attends, quoi, ça coûte combien? 540, ok, d'accord. Merci Arsène, merci beaucoup pour le lâchage de caisse.
Poon, c'est un peu notre sœur à tous. Oui, notre sœur, notre maman, notre... Ouais, c'est un peu tout, ouais. EDF léger... Attends, non, c'est la famille. C'est la famille. Voilà, gros chomblaire. Et EDF léger, pareil, gros chomblaire. Exactement pareil, voilà. Bon, c'est pas mal, regarde. Oh putain, elle ressemble à rien. Elle est absolument éclatée. Regarde ces chomblaires. Regarde ça. C'est n'importe quoi, mec. Ça n'a aucun sens. Ok, donc j'ai chopé un lance-roquette qui s'appelle le Naughty Boy. Comment il fait quoi? Il fait moins de dégâts, mais plus de munitions. Temps de recharge moindre. Et 3 tirs par seconde à la place de 1. Et bah écoute, on va prendre ça, ça va arroser plus large, ça va être bien. You'll love it. Casse-toi, par contre, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Et je vais essayer un peu le sniper parce que je voulais prendre tout à l'heure, j'ai oublié. Voilà. J'ai toujours le même PA gear, ouais, je peux pas choper autre chose. Ok. Bah écoute, pour l'instant, on va rester là-dessus. Je crois que j'avais chopé aussi un truc de bombardement. Ah non, c'est des leurres. Oh putain, on dirait un truc de MGS5. Attends, kit de réparation, appareil de résurrection. Tu vois, appareil de résurrection, je peux en prendre pour résurrecter mes potes, mais pas moi, alors c'est complètement con. Qu'est-ce que je fais? Je prends des leurres. N'est pas suffisamment de crédit? Ah oui, c'est des trucs bleus. Oh putain, ça va être chiant ça. Ça va être relou, mon gars. Allez, c'est parti. Je repars du coup, je suis à l'hôtel. La bise, à demain. Merci encore tout le monde, vous êtes trop kiki. Merci d'être passé, pour une gros bisou, joyeux anniversaire. Passe une bonne soirée. Bisous Isfall, merci d'être passé mec, merci beaucoup. Et encore merci pour l'idée de nom de vidéo pour pour Mudrunner, très gentil. Regarde, il est joli le jeu quand même comme ça. Oh la vache. Regarde, ça c'est des tirs de précision à la Monique. Fusil sniper à la hanche. Ouh. Eh, c'est pas mal. Putain, ça arrive de derrière. Ta gueule, putain, cet accent raciste qu'il a lui, c'est pas possible. God damn, man! What the fuck? Mec, j'ai jamais entendu un accent noir aussi raciste du monde. Enfin, un accent noir américain aussi raciste du monde. Ta gueule. Oh, les sick shots que je fais. Fais voir un peu l'entroquette. D'accord, ok, bon, ça arrose large. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dans EDF. C'est arroser large. Voilà, regarde. Ils peuvent plus s'approcher et nous on est tranquille. On en profite pour bien éclater nos potes au passage. C'est toujours important. Pro gamer move. I'm a gamer. Je suis un gamer. Oh, par contre, si mes potes pouvaient m'aider, j'avoue que ce serait vraiment sympathique. Putain, mais pourquoi je suis pas en train... Oh putain, la zone de mission de mon cul. Ayez la décence de mettre des murs invisibles quand même plutôt que des zones de mission, les gars. Master Shooter. Et ouais, tout à la manette en plus. À la manette et avec une clope. Est-ce que c'est pas impressionnant? Vous êtes impressionnés, les mecs? Next. Ok, faut que je ramasse tous les cristaux par contre. Et du coup, le mec il disait tout à l'heure qu'il devait payer son loyer avec des cristaux. Et qu'il avait perdu de la thune aux courses de fourmis. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un genre d'économie basée là-dessus. Oula. C'était déjà là avant ou c'est moi qui les ai fait ça? Au final c'est un peu sérieux Sam, tu recules, tu tires. T'inquiète, je vais m'inscrire en testeur JVC. Et bah ouais, c'est un peu sérieux Sam avec des insectes. C'est quoi? Oh putain, déjà des spires. La vache. Eh, ils vont super vite. Putain, fallait attendre bien plus longtemps avant dans les autres. Bon, faut que j'arrête de les comparer aux autres. Est-ce que ça pète ça? C'est pas... Attends, j'écrase ma clope parce que je viens de sursauter de ouf. C'est pas du tout un spire. C'est pas du tout un spire, mec. C'est pas du tout un spire. C'est pas du tout juste un... Oh la vache! Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, il fait les Sonic Boom. Sonic Kaboom! T'es enculé. Well, actually... Ok, elle, c'est une connasse, je note. Hop. Ok, c'est bon, c'est facilement esquivable pour l'instant. Par contre, il est super stylé, ouais. Les designs sont vraiment cool. J'admets que je suis assez impressionné. Ah, du coup, ça, c'est des cristaux orange. C'est l'énergie ou c'est... Je sais pas si c'est de la thune ou pas.
Est-ce que je peux éclater une bagnole? Attends, fais voir. Je vais voir si je peux éclater une bagnole en fonçant dedans. C'est une cyber langoustine. Ouais, d'accord, ok, ouais. Et ça, normalement... Normalement, c'est de la vie là-bas, ouais. Est-ce qu'ils sont en train de se foutre de la gueule des Japonais en plus? Haha, les jeux vidéo, haha. Ouh, la vache. Putain, c'est vénère comme design, en vrai. On dirait un peu un Bionicle, en fait, maintenant que j'y pense. Langoustine 2077. Alors, on va lui brûler les yonfs. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Oh, darling, darling, what have I done? Now I do my talking with a gun. Eh ben voilà, regarde, il va péter ou pas? Non, il pète pas? Oui, bah écoute, ça finit jamais, t'as jamais joué à EDF, c'est con ou quoi, toi? Voilà. C'est quoi? Oh, c'est chaud un peu là, non? Allez, let's go, mon gars, let's go, mon gars, j'en bats les couilles, moi! Monique, elle a pas peur. Ah bah si, il y a Lightning, on a un soutien aérien quand même. Oui, oui, je stay en formation. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider. Vous paniquez pas, vous, ça vous dérange pas trop en fait. Ouais, vous pourriez juste vous grouiller un petit peu, parce que ça commence à devenir vraiment chaud du cul là. Oh, pardon. Ils sont passés? C'est bon? Oh, les missiles! Oh, les missiles de dessin animé, quoi. Les missiles Acme. Non, l'IA est pas améliorée. Non, non, l'IA, ça reste quand même des gros poteaux pleins de viande. Comment ça, mission accomplie? Ouais, non, mission pas accomplie du tout, en fait, parce qu'il en reste des milliers. Attends, je vais aller récupérer les cristaux qu'il y a là-bas, au moins. Parce qu'on perd pas quand même le but du jeu de vue, c'est d'être très très riche. Voilà. J'ai eu le temps de lire Acme sur le côté des missiles. Missiles.png. Ouais, c'est pas grave. Je vais récupérer tout ça. Ensuite, au pire, on se foutra un coup de Oba de Laibo. Oh darling, oh la vache. Hop, rétablissement, c'était éclaté. L'animation pour le rétablissement est vraiment éclatée. Ouh. Mais tu vas claquer ta mère, dis donc. Oh là là, le manque de respect. Ils viennent chez nous. Non, je vais arrêter cette phrase maintenant parce que ça va partir en banane. Vous allez encore sortir ce que j'ai sans contexte. Ok. Ah, il y en a juste là. Oh, bah d'où l'a eu. Je me suis pété la... Ok. Oh là 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 là. Et non, c'est pas pratique, hein. On n'oserait pas. Du coup, faut que je me retape. On est d'accord? Ouais, c'est un petit côté escombat, du coup, hein. Oh, putain, il y a de la physique sur les chamblards. Est-ce que t'as vu qu'il y a de la physique sur les chamblards? Bon, eh ben écoute. Pas grave, hein, on s'y remet. La patate bouillante que t'as pris. Arrête avec ça, t'as un problème, mec. Voilà, bon, il va falloir que je déclenche mon overdrive bien plus tôt tout à l'heure, par contre. On s'est paniqué deux fois au même jeu. Et merde. Ah, il m'a vomi dessus. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà. Là, je vais faire des sick flick shots, mon gars. Souvenez-vous que dire que c'est juste un jeu, c'est tellement un weak state of mind. You just settle. Saying it's just a game is such a weak state of mind. Oui, oh là là, zone de combat, ça va, oh là là, Battlefield 2, là, tu vas me laisser tranquille. I don't stream with women. Ah, quel rigolo, ce mec. Aïe, 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 je suis en train de me faire taper. This isn't good. Non, c'est pas good du tout, non, je suis d'accord. Est-ce que je peux avoir un cristal de vie, là-bas? Par contre, ouais, ok, donc je suis en surchauffe. C'est pas très pratique. Oh. Parce que du coup, il y a plus d'esquive. Il y a juste un dash maintenant. Just a dash.
Et c'est pas forcément la mobilité la plus éclatée du monde. Et du coup, j'imagine que comme il n'y a plus de classe fencer et qu'apparemment il y a juste une classe lourde, on pourra plus trop faire glitcher le truc en volant, etc., etc. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Donc du coup, les cristaux bleus, c'est de la thune. Les cristaux verts, c'est de la vie. Les cristaux oranges, je sais pas ce que c'est, si c'est de la vie aussi ou si c'est de la barre d'overdrive. Possède l'arme atomique contre une invasion alien, viens, on envoie la nana avec les chombards. Bah, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont essayé les bombes atomiques et ça s'est plutôt mal passé. Non, c'est de la thune toujours aussi? Ok, d'accord. Eh bah écoute, ça me va. Ah, moi, cette cyberlangoustine. Mon gars, si je l'éclate pas avec de la mayonnaise, celle-là, je comprends pas qui je suis. Hein. Hop, oh la vache. Je sens que tous les ennemis du jeu vont me faire chier, c'est marrant, hein. J'ai comme un genre d'a priori. Ça vous dirait pas de tirer, les mecs? Hein, pour m'aider un petit peu. C'est bon, elle est morte. Très bien. Look at all these energy gems. What the fuck is going on? I have an accent. Ouais, c'est donc c'est ça, c'est les gemmes rouges, très bien. Flac mayonnaise. Oh ta gueule, dis donc, putain, l'autre il se lance dans des expressions, voyons. Your ancient Japanese saying are so fucking stupid. Ok, attention il arrive, ils sont en train de tirer sur on sait pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils tirent dans tous les sens? C'est quoi le délire? C'était quoi? Eh, l'IA elle est éclatée, mec, hein. Ça va pas du tout, hein. Bon, par contre, le problème, c'est que il est vraiment pas puissant du tout, ce lance-roquette. Il ratisse large, mais contre les ennemis comme ça, j'ai l'impression que... Oh la vache, la tartine que j'ai mangée. Non, I don't want to die. I'm a virgin. EDF, ils ont mis tout le budget dans les armes, du coup, le recrutement, c'est pas ça. Après, le budget, c'est des cristaux, hein, donc on fait ce qu'on peut. Hein. S'il te plaît, je veux ce budget-là. Oh... Sur quoi on tire? Sur quoi on tire? Ok. On va juste se bouger un petit peu. On va attendre que Lightning fasse son boulot. Regarde, on va s'écarter un peu. Et ensuite, quand ils arriveront, on lancera un coup de Oba Drivo. Et je pense que ça ira mieux, tu vas voir. On va juste les éclater de loin avec le sniper, regarde. J'ai une vraie lunette maintenant. Ce qui n'est pas nécessaire du tout, hein. Je sais pas trop qui ils essayent d'impressionner avec une lunette pareille, mais... mec. Elle est vraiment vénère, Monique, là. Allez les missiles, Acme. Oh, c'est nul. J'adore. C'est marrant, je pensais pas qu'on pouvait faire encore plus... ringard. Que EDF 4.1, EDF 5 et tout, mais en fait ils ont réussi à faire plus ringard en rendant le jeu plus réaliste. Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que c'est pas un petit peu contre-intuitif? Oh putain, je leur fais aucun dégât en plus avec cette seule entrequête de merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ouh. Ok, un de moins. Ouais, c'est ça, c'est sérieux Sam, t'avais raison, hein. Faut reculer, faut tirer. Elle va me sauter dessus. Non? Ok. Le retour du matériel Acme. J'espère du coup qu'il y a des classes après où on peut avoir plus de... Ouais, on peut appeler des unités aériennes, des trucs comme ça, tu vois. Ce serait sympa. Bon, cette fois-ci, on ira chercher des cristaux après, hein, parce que j'ai pas envie de me faire niquer encore une fois. Voilà, hein, c'est bon. En marche, je peux le cacher là, hein. Impeccable. Ça c'est du placement tactique, ça. On va en laisser juste un, comme d'habitude, sur EDF. Tu laisses juste un ennemi, tu récupères tous les cristaux et tous les trucs à récupérer pendant qu'il est encore vivant, et ensuite tu le finis. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Regarde tout ce qu'il y a là-bas. Il y a même des cristaux de soins. Ouais, c'est ça, éclate mes potes, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Elle arrive vers moi, je la vois, elle arrive vers moi. Don't hurt me. I'm a virgin. Ouh.
C'est toujours là que les alliés deviennent des super soldats. Oui, c'est ça, ouais. Une fois qu'il te reste juste un ennemi et t'essaies de prendre ton temps pour ramasser tous les cristaux et toutes les armes, toute la vie, toute l'armure, les soldats deviennent soudainement tous des Vassili Zaitsev. Ils ratent pas un seul coup. Ouais, vas-y, vénère-toi sur mon pote, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît, ça, moi. Oh la vache. Ah, c'est bon, j'en ramasse plein, c'est pas mal, là. Ah, faut viser le torse. Ah non, pas encore, hein. Non, je recommence pas une troisième fois, hein, c'est bon, hein. Voilà. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, on va la finir parce que... Oh là là là, c'est la merde. J'ai pas envie de remourir. Regarde-le lui. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est pas passé loin. Ouais, non, c'est chaud. C'était chaud là, mec. Oh là là, il va être dur le jeu, je le sens, poteau. Si je galère déjà, genre à la quatrième mission, c'est que la suite, elle va être velue. Hein. Et c'est pas un jeu de mots. Voilà, regarde. Ramasse bien tous tes cristaux. Les cristaux des collines d'Israël. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Il y a des cristaux, clairement. Les agresseurs ont ramené leurs cristaux avec eux. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Et ils ont un commerce fondé tout autour des cristaux. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est dans les bouquins, vous pouvez le lire. S'il te plaît, 5 secondes. 3, 2, 1. Non ! Putain ! Fais chier ! Ok, par contre, je vais pas avoir un score de ouf, je pense. Ouais, dégâts encaissés, c'est pas top. Hein. Ouais, rambé. Ouais, je le mérite. Franchement, je le mérite. 240 gemmes d'énergie, par contre, c'est pas mal. Ok, je pense qu'on va pouvoir acheter les 3 trucs. Qu'est-ce que c'est que cette soundtrack, mec ? Franchement, c'est quoi le problème ? Oh. Elle a un problème, non? Uniforme décoré, Nardo? Qu'est-ce que c'est? Nardo, autocollant, chasseur de méga créatures, très bien, rebooteur rapide. C'est de la J-pop, mais c'est bizarre, non? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ta gueule. Donc ça, on les avait déjà, Camomille, on avait déjà... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Obtenir 30 tenues. Donc il faut que... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le dessous? What? Poteau! Mec! J'avoue, protection plus. J'avoue que je m'y attendais pas. Franchement, j'avoue que je m'y attendais pas. Y a pas d'autres casques d'ailleurs? On est au maximum de casques là? Allium. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est stylé ça. Vas-y, je prends ça moi. Combien ça coûte? 180 balles. Vas-y, je prends. Voilà, impeccable. Merde, je l'ai pas mise. Voilà, ça c'est beau ça. Regarde là. Elle est pas mal comme ça, non? En plus, on voit pas sa gueule, du coup, c'est mieux. Maximax, je suis en blax. Je crois que j'ai un nouveau fusil d'assaut. Le Ghost Yulof Yulouz. 8 de dégâts? Ah oui, non, oui, il a plus de cadence de tir par contre. 10, bah non. Attends, c'est quoi la différence avec celui-là? Bah c'est de la merde. Balle roulette. Quoi? Pff, je comprends rien, mec. Attends, bouge pas, on va le prendre, on va le tester, on s'en bat les couilles au pire. Et je voulais aussi le lance-missile du coup. Voilà. Les lance-missiles sont jamais top, mais on peut quand même essayer. Les casques Starship Troopers, ouais, de ouf. Attends, je voulais juste faire un truc du coup. Regarde, on va faire vêtements. Non, c'est pas ça. Non, c'est dans équipement. PA, non, merde, PA gear. Couleur, voilà. On va la foutre dans le thème. Oh putain. Il y a des trucs qui sont plutôt stylés quand même, et des couleurs stylées. Fous-moi tout en rouge là. Emblème. Qu'est-ce qu'on a du coup comme emblème? Oh, pff, oh les kanji. Je suis pas Camaro, j'ai pas besoin d'un tatouage de kanji pour toi. Hein. Et ça c'est les motifs. Et je crois que j'avais chopé d'autres motifs au-dessus. Voilà, chasseur d'agresseurs, chasseur d'araignées. Ah oui, en fait les motifs c'est des achievements. Ouais, ok, d'accord. Non, on va laisser à fonce. Est-ce que y a un rebooter qui me permet de pas claquer? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un kanji Camaro. Hey, Martinez! Et des grenades. Ouais, on s'en fout des grenades. Ouais, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Allez, la suite. Enfonce! 1% de probabilité de faire 1500 de dégâts sur le fusil, j'ai vu. Bah oui, mais. Enfin,
ça... Ouais. C'est pas non plus top top, quoi, non? Si on pouvait customiser ses emblèmes, ce serait nickel. Non, non, ce serait pas nickel, Arsène. Tu sais où ça partirait si on pouvait faire des emblèmes custom. Tu sais très bien ce qui va se passer. Ça va, c'est pas la peine de le prendre comme ça, mec. Au niveau véhicule, t'as pas de classe pour... Tu peux les prendre comme consommables avec tous les persos. D'accord, ah, c'est pas mal. 1, 2, 3. Ouais, exactement, ouais. D'accord, ça c'est plutôt cool, remarque. Alors, comment il marche le lance-missile là-dessus? Yes, c'est super. Je peux prendre aucune... J'ai aucune cible c'est, yes. Sérieusement, par contre, faut que je sois... Faut que je sois super prêt. Déjà, c'est joli, hein, on est d'accord. Enfin non, c'est pas trop joli, non. Mais bon, il y a un paysage, c'est déjà ça. Attends, il faut que je sois où? Ouais, enfin, vous pensez pas que c'est un peu près? Ou là, c'est parce qu'ils sont dormants? Genre là, je peux? Ah oui, d'accord. C'est bon là ou... Ok. Et voilà. C'est des sidéraux s'ils appellent. Bon, c'est de la merde, attends, bouge pas. Oh la vache, le rechargement est tellement long. Oh my god. Faut pas qu'elle s'inquiète de moi, faut pas qu'elle s'inquiète de moi. D'après mes calculs, les sidéraux sont des créatures d'une autre planète. Dis donc, putain, je suis... Heureusement que tu fais des calculs, poteau, parce que je saurais pas comment j'aurais fait, moi. Ok, allez, c'est parti. Ça nous prend juste une bonne petite minute à chaque fois. Faut pas qu'elle se retourne vers moi, faut pas qu'elle se retourne vers moi, faut pas qu'elle se retourne vers moi. Allez, c'est parti. Ça la one shot? Ça la one shot, ok. Et en plus, ça recharge l'arme quand on l'a pas équipée. Et ça, par contre, c'est craqué. Parce que du coup, sur l'autre EDF, quand t'avais une arme qui était longue à recharger, ça se rechargeait pas quand tu l'avais pas sur toi. Mais là, maintenant, je peux switcher sur une autre arme et ça va poser aucun problème. Et ouais, en fait, cette mitrailleuse est un peu... What? C'était quoi? Pourquoi ça fait tout l'e-loot? Méga créature sur le radar. T'as... Oh non! Oh non! Oh non! Elles sont horribles! Oh sa mère la pute! Oh sa mère la pute! Oh sa mère la pute! Oh sa mère, elle saute bien plus haut qu'avant en plus! Oh! Oh! Maman! 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 Ah non, elles sont horribles! What? Ah mais c'est ça! Quand ça. Ah mais ça fait des petits! Oh, oh non! Oh non! Oh non! Lance des grenades! Lance des grenades! Lance des grenades! Je m'en fous, je veux claquer! Je peux pas, mec. Je peux pas. Attends, je vais changer d'arme parce que du coup le lance-missile ça va pas être bon. Si le lance-missile ça va, mais je vais prendre une autre arme quand même. Je vais prendre un fusil d'assaut, je pense. Un autre fusil d'assaut parce que là, celui-là il va pas suffire. Oh des bérets. Je sais pas pourquoi je suis aussi content. Fais voir tête. Béret, c'est pour lui qui va être content. Regarde, oh putain, 30 pièces d'équipement aussi. Oh fais chier. Bon c'est pas grave. Fais voir. Hey, what the fuck? What are you doing here? I'm naked. Father told us not to be ashamed of our cocks. Lance-roquette? Ouais, lance-roquette. Je vais reprendre le bon vieux lance-roquette qui fait plus de dégâts. Attends. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des araignées? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas... Tu m'as pas compris. C'est juste... Non. C'est juste que... Comment dire? Donc c'est, voilà, c'est ça le truc. C'est tout. That new type of fuck you. Voilà, merci beaucoup. Pas besoin. Oh putain, les gros amortisseurs Michelin. Les amortisseurs Brembo. Voilà. Du coup, l'autre, on va l'éclater d'ici, ça va être tranquille. Regarde, une, deux. Normalement, ça irait un peu plus vite. Que l'autre faisait vraiment pas de dégâts. Et je crois qu'il faut tirer dans l'abdomen du coup. Parce que moi, j'ai essayé de tirer dans la tête. Et apparemment, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, en plus, elle est complètement conne, alors limite. Et bah voilà. Donc, ça, c'est bon. Ok.
Est-ce qu'il est en train de faire un AVC, l'autre à la radio? Appelez une ambulance. Qu'est-ce que c'est son problème à lui? Il est bourré? Mec, on dirait Tommy Wiseau. I don't care, I just do it. Anyway, how's your sex life? The aliens, they don't come from the earth. Oh, hi Mark. C'est professeur Mengele. Anyway, how's your sex life? Oh putain, elles arrivent. Vite, faut que je finisse elle avant de commencer autre chose. I don't like it. I don't want the spiders. I don't want the spiders. I don't care, just do it. Ok. Bon, normalement, je devrais avoir un peu mieux. Oui, il s'appelle Mengele en plus. Ouais, mais c'est, les Japonais, ils ont pas la même sensibilité que nous avec ça. Oh, Badouraimo! Je ne possède plus aucune peur. Dégueulasse, elles sont horribles. Oh putain, ça lâche plein de bébés, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas des créatures de Jésus-Christ. Hein. Ça a pas été fait par Dieu, ça a été fait par des... Oh, j'ai un petit dash rigolo. Tito. C'est marrant. C'est quoi? Ok. La Mother Spider? What the fuck? Ok. C'est bien une créature communiste. Ah bah ouais, ça... Oh putain, ça l'a éclaté. Ok, l'overdrive est super efficace sur les... Comment ils ont appelé? Les sidéraux, c'est ça? J'ai envie de l'appeler Isidro, mais c'est pas du tout la même licence. Naruto Run. Regarde comment c'est éclaté. Oh, c'est moche. Ils ont essayé de claquer un truc un petit peu à la... Edge of Tomorrow, mais... Non, ça marche pas. C'est ça qui me rappelle beaucoup, en fait, les exosquelettes. Ça me rappelle pas trop Starship Troopers ou quoi, mais ça me rappelle beaucoup... Edge of Tomorrow. Balance des grenades. Grenade en boucle, grenade partout. Grenade tout le temps. Grenade libre, grenade française. Liberté, égalité, grenade partout. Voilà. C'est super pratique les araignées, mais pas le format géant. Arrête. Oui, ça mange les moustiques. Oui, ça mange les mouches. Oui, ça... Non, ça c'est clairement des arguments qui sont infondés, qui ont été créés par des putains de séparatistes pro-araignées. Et moi, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas, tout ça. Vous me niquerez pas avec votre propagande. Ouais, l'étoile. Quoi, l'étoile? J'ai demandé l'étoile. De quoi tu parles? Tweet. Je suis un soldat de la liberté. Voilà, donc du coup, il y a... Je sais pas vraiment ce qui permet de looter de l'équipement et des armes. Parce qu'il n'y a plus la distinction entre les caisses d'armes et les caisses d'armure. Maintenant, c'est uniquement des cristaux. Et je sais pas trop, en fait, comment on chope des armes. Est-ce que tu penses que je peux éclater la plateforme qui est là-bas? Non, ça s'éclate contre la skybox, j'ai l'impression. Tu peux voir? Oh ouais, ça s'éclate. I hate spiders, what the fuck is wrong with my accent? Nique les araignées, voilà, exactement. J'en ai pas d'ailleurs chez moi. Bizarrement, j'ai un très vieil appartement, mais pas d'araignées, et je pense que c'est parce que mon appartement est plein d'amiante. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est quoi ça? Ouh! Bah oui, mais fallait me dire! Vous voyez comment je suis censé savoir? Oui! Faut aimer tous les enfants de Dieu sauf les communistes. Mais les communistes sont pas les enfants de Dieu. Oh, un petit double A! Pas mal. Lootbox, ouais, c'est ça, c'est des petites lootbox. Pénalité d'utilisation d'objets? Bah ouais, mais je fais comment? Si j'utilise pas d'objet, j'utilise quoi, connard? C'est quoi ce délire? You really believe that? 80% is how much of the gear makes it back to the camp. Alors, lance-grenade TF Anger. Bon bah ça déjà ça me plaît. Et nuage de plasma, nuage caca de plasma.
Ouais, bah écoute, ça me fait rire. File-moi le rebooter parce que finalement on s'en fout. File-moi plutôt le caca de plasma là. Ça là. Voilà. Impeccable. Et file-moi le truc vénère là. Lance-grenade. TF Anger. Oh la vache, il est beau, on dirait un mille-corps. Le nuage KKK. Voilà, impeccable. Et du coup, la mitrailleuse que j'avais était pas mal. Ah! Ouh, j'ai mal à l'oreille. Il y a mon cartilage, il est tout pété. Qui c'est qui veut venir me masser les oreilles comme dans. Merde, comment s'appelait ce film? Intouchable. Vous vous souvenez, Intouchable? Le mec il dit ouais, je sens plus mon corps, à part ma tête, mais du coup, les oreilles. PV max. Ah, faut que j'achète mes PV! What, mec? Ah, d'accord! Ah bah j'aurais pu ouais, j'aurais pu passer un bon moment sans en comprendre ça. Moi ouais, mais c'est pas PD, salut roi du Bayou, ça mec. Comment ça va, comment se passe ta semaine? T'arrives pile quand on parle de se branler en touchant les oreilles. J'ai pas vu Intouchable. Il est bien le film Intouchable, j'ai bien aimé moi. C'était cool. C'est un petit peu facile mais c'est sympa. Je suis ivre mort. Bah écoute. Eh, on est vendredi soir hein. Est-ce que je peux avoir des armures lourdes par contre s'il vous plaît? C'est un nid devant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'était quoi le fulgure au point? Bourriner, lancer des grenades. On sait jamais. Bourriner. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi? Secours! Qu'est-ce que ça veut dire? Cible capsule humaine. Ah! D'accord, bon j'ai peut-être un peu merdé du coup. Parce que j'étais en train de défoncer les capsules où il y avait les humains dedans. Mais au pire, c'est pas grave. C'était pas des soldats de l'EDF, donc plus ou moins c'est pas des. C'est pas des civils en fait. D'accord. Très bien. Eh ben écoute, moi poteau, tu sais comment on va faire? Oh, bah tout arrive. Oh, d'accord, je me suis fait péter la gueule. Allez, clac! Non mais recharge entièrement. Voilà. Il est mort. C'est bon. Utilise des humains sous forme de batterie, c'est pas mal ça. J'ai vu dans un documentaire que ça marchait super bien. Documentaire qui s'appelle Ma je sais plus quoi, c'était cool. Ok. Oui mais c'est bon, si on s'en fout des otages. Oh là là, putain. Oh les petites chattes, on est l'EDF ou on n'est pas l'EDF? Oh, et puis la zone de combat. Je sens qu'il va être très frustrant par contre ce jeu. Rapport à tout ça. C'est bon t'es mort? Oh c'était pas mort? Ok. C'est écolo comme batterie, bah oui en plus. Et voilà. Alors du coup apparemment les lance-missiles se rechargent quand ils sont pas équipés, mais pas les lance-grenades. Donc ça veut dire qu'en plus ça a été étudié comme truc. Ce qui est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Non, tu ne me tapes pas. Friendly fire, hein. Y a pas de friendly fire sur le champ de bataille, poteau. Y a que du feu sympathique. C'est quoi le gros truc que ça a lâché, là? Ah, c'est de la vie, d'accord, ok. Donc les logos verts sur la minimap qui sont plus gros que les autres, c'est de la vie en général. Oh, mais mec. Oh, putain, y'a les araignées avec. Oh, ma vie, c'est de la merde. Rapport au chou rouge. Franchement, les capsules humaines, je m'en bats les couilles. Hein. Mais j'imagine, remarque, ça fait mission failed si on éclate tous les humains, c'est ça? Oh, les petites chattes. Oh, la vache! Ce lance-grenade est pas mal, mine de rien. C'est déjà ça, tu vas me dire. Voilà. On va les éclater de loin. Oh la vache, j'en prends. Bah ouais, voilà, j'en prends plein la gueule. Par contre, c'est pas du tout permissif, mais alors du tout, quoi. Vraiment pas du tout. Bon, de toute façon, je pense que je vais faire cette dernière mission là. Enfin, cette mission, ou la réussir ou non d'ailleurs. Hein. Et ensuite, je couperai. Parce que c'est sympa, mais je pense qu'en coop, ça va être mieux. Allez, c'est rien. On se focus dessus. On peut même se focus sur la main là. Oh là là. Ce sera mieux en coop. Ouais, c'est ça. Ouais. Fun is the new name. Ouais, j'avoue que là pour l'instant c'est pas non plus ouf.
C'est juste que c'est beaucoup moins permissif, mais là encore, je te dis, en multi, du coup, bah ouais, tu peux rester des potes et tout, quoi. Donc là, j'avoue que, ouais, c'est pas ça, quoi. Clairement pas ça. On va défoncer les petites papates. Les partounes ! Défoncer les partounes ! Oh, putain ! Hop, ok. Bon, ça s'équipe assez facilement. Je pense qu'en gros, il faut bien connaître la cible. Et c'est pas le jeu auquel tu joues de façon chill, comme les autres. C'est vraiment un jeu différent, quoi. Putain, tu l'as vu? Ah, tu la verras plus tant que j'aurai pas droit de pénétrer dans ton cul. Allez, file-moi ça. Voilà. Je crois que si on tire dans l'espèce de kékette, là, ça va plus vite. Je suis désolé, hein, je me fie à ce que je connais, hein. Oh là là. Qu'est-ce que... Ah, ça y est, il a joui, donc du coup, il est fatigué. Ah là, c'est bon. Tu peux les défoncer plus facilement en visant leurs yeux. Ouais, du coup, c'est ce que j'ai l'impression, moi aussi, hein. Et du coup, j'ai un haut-bas drive. Et je vais essayer d'aller leur claquer un bout d'overdrive en étant pile sur leur gueule. J'ai pas beaucoup de vie. On va s'en mettre. Regarde. Voilà. Voilà. La concentration d'un homme. La concentration de l'artiste. Voilà. Y'en a encore ? C'en a encore un, ça ? Putain ! Ah mais ils étaient pas tout à fait morts en fait, ils avaient juste mal. Ok. Casse-toi, tu vois pas qu'il dérange. Voilà, ça c'est bon. Maintenant je me casse mon gars, je me casse. Voilà. Oh, c'est terrifiant, je n'aime pas les araignées. Ça a été créé par Satan. Parce qu'il avait besoin d'un animal de compagnie. Avec plein de pattes pour lui amener toutes ses bières. Oh là là, en plus ils sont en train de se marcher dessus, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que... Oh putain, oula. Il y en a un qui m'a explosé sur la gueule, j'ai pas trop compris. Ok. Satan qui est rouge d'ailleurs comme les communistes. Ah, comme quoi. Eh, on n'invente rien les gars. C'est pas de la fausse propagande qu'on vous envoie, c'est de la... It's the real thing. It's the real thing. Pump up the volume. Ok. Bon là ça se passe plutôt bien. Et j'espère juste que les missions seront pas du die and retry. Parce que je sais que il y a des missions sur 5 et sur 4.1 qui sont assez chiantes. Notamment il y a une mission avec des milliers de drones qui est vraiment subpar pour le coup. Elle est chiante comme tout. Tu te fais agresser par vraiment littéralement hein, des milliers de drones. Et elle est chiante comme tout. Et je sens que ce jeu va en avoir aussi de ces missions là. Pas tout à fait pareil, bien sûr, mais jette-toi en PNG. Voilà, nique ta mère. Voilà. T'as fait les DLC de 4.1 ? Non, j'ai pas fait les DLC de 4.1, non. Je crois que je les ai, mais je les ai pas fait. Je suis un indigent. Comme la moutarde. Les drones, c'est gentil. Non, pas les rouges. Les rouges, c'est des gros enculés, poteau. Arrête, Jean Blaguin. Arrête, c'est pas vrai ce que tu dis, Noiron. C'est faux. Les drones, c'est tous des bâtards. Ils ont été également créés par Satan. J'aime bien cette vanne, mais il est tard. Ouais, j'ai pas trop de mérite, c'est ça que t'es en train de me dire. Voilà. C'est bon. La meuf, elle vient de se prendre une toile, t'as entendu ce qu'elle a dit ? C'est pas très possible de bouger dans cet état-là. Donc ça va, franchement, on est tranquille. Et capsule humaine, du coup, j'ai l'impression que j'ai buté aucun ennemi. Enfin, aucun humain. Ce qui est pas mal. On peut pas juggle les ennemis après qu'ils soient morts. J'espère juste qu'ils vont pas trop en faire la mainline de Iron Rain. Je suis quand même plus fan du style full arcade des 4.5. Ouais, bah ouais, je suis assez d'accord. Et je pense qu'ils peuvent même, par contre, se permettre d'explorer des trucs encore plus arcade. Attention, c'est assez... Oh la vache, le Huck. Et attends, est-ce qu'on peut voir les chamblards ici? Putain, on peut voir les chamblards. Je suis sûr qu'ils peuvent se permettre de faire encore plus arcade que 4.1 et 5. Ce serait marrant au moins de voir ce que ça peut donner, tu vois. Là, ils ont testé Iron Rain, d'accord. Et bah écoute, faites maintenant un truc encore plus arcade et puis on voit ce que ça donne et puis on voit si ça tient, tu vois.
mais qui garde quand même des mainlines justement qui ressemblent à 4.1 et 5. Je suis d'accord, ouais. Je suis relativement d'accord avec ce statement, Spider, pour une fois. Et bah voilà, regarde, tac, tac, tac. Oh merde, juste double A, dis donc. L'exosquelette fait très The Surge quand même. Je pense qu'ils l'ont piqué, hein. Ils vous l'ont piqué, les gars. Moi, ça me ferait chier. Hein. Je l'attaquerai en justice, moi. B4, si ça te dérange pas. Tu peux ? Ça te dérange pas ? Entre nous. Ah, bon, en vrai, moi, je filoche. Faut que je bouge demain. Donc, bah, à la prochaine. Et bon, massacre de créatures du diable. Et bah, merci beaucoup, Jay. De toute façon, je vais couper, je pense, maintenant, là. On a des casques de lifter à Kant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Casque de lifter à Kant. Ouais, bah c'est des casques quoi. Je sais pas trop quoi te dire, mec. Honnêtement, je sais pas trop quoi te dire. C'est juste des casques. Il y a encore les bonnets, les bérets de Poléon. Eh ben écoute, c'est pas mal. Ça m'intéresse pas. La narration ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, je peux toujours pas prendre l'unité Nardo là. Putain, vas-y. Comment on fait pour prendre là? Zoom. Putain. Oh là 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 là. On peut foutre une cagoule BDSM en plus après. Eh bah écoute, ça va être génial. Bref, les gars, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu cette petite soirée. EDF Iron Rain, du coup, je valide à moitié. Ouais, c'est le dernier. Enfin, c'est un spin-off à Sob. Mais c'est un des derniers, ouais. Tu dois débloquer 30 tenues du type genre torse ou autre. Ouais, ouais, du coup, j'ai compris, ouais. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que Super Liminal vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était un super stream, on s'est vraiment bien marré. Et du coup, demain il n'y aura pas de stream. On est désolé, mais on peut pas. On a littéralement pas le manpower pour faire un stream demain. Donc écoute, on se retrouve la semaine prochaine avec des bons streams comme d'habitude. En attendant, on vous fait un gros bisou, hein, comme d'hab. Et attends, qu'est-ce que... J'ai l'impression que Chrome m'a pété au nez, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Tiens, une nouvelle chanson de Tumelo. Eh ben, écoute, on va l'écouter pour la fin. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à plus, à la semaine prochaine. Il y a des rediffs qui vont sortir. Demain, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne principale. Et voilà, allez, bisous tout le monde, ciao.